hivyo pastor tell don't give value usiye. Sio kwa sababu mchungaji wako anakupenda ina maana unataka mbinguni. Si papa sikitu ila pande pastor kitu kwa leo usiye. Sio kwa sababu kwamba wewe ni mtu wa mchungaji hiyo ndio kwamba unataka mbinguni. Tell pastor donc je vais aller au ciel. Kwamba baba yangu alikuwa mchungaji mimi nitaenda mbinguni. No! Hapana. No! Hapana. Ambaye sote tunaifahamu. Matthieu chapitre 25. Matayo sura ya 25. Alléluia. Alléluia. Partie du premier verset. Mstari wake wa kwanza hapo. Père, dans le nom de Jésus. Baba kwa jina la Yesu. Je te remercie à cause de ta parole. Nasema asante kwa ajili ya neno lako. Papa, je ne sais rien. Baba, si jui chochote. Je ne sais rien. Si jui chochote. Je suis comme un enfant. Niko kama mwana mdogo. Mais je veux que tu me remplis de ce qui t'appartient. Lakini ninahitaji unichanze na yale ambayo ni ya kwako. Tu es la parole vivante. Neno la uzima. Je voudrais que tu parles au travers. Nataka useme kupitia mimi. J'aime la puissance de ta parole. Chance nguvu katika neno lako. Et que tu parles aujourd'hui, papa. Il useme siku ya leo, papa. Le cœur de toute personne qui usa mioyo ya kila mmoja aliyeko. Et que l'esprit qui obéit à ta parole, papa, roho ya kutii neno lako itawale. Au nom de Jésus-Christ, jina la Yesu Kristo. Béni celui qui interprète. Bariki yule mtafsiri. Béni celui qui écoute. Bariki anayesikia. J'aime que cette parole nataka neno hili change de vie. Libariki maisha. Change de vie. Libadili maisha. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Et que le cœur qui sont loin de toi revienne à toi. Ili moyo ulio mbali na wewe ukushie. J'aime que tout celui qui va écouter cette parole. Nataka kwamba wote watakao sikia neno hili. Qui croit en cette parole. Waliamini katika neno hili. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. 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 Merci Jésus-Christ. Asante Yesu Christ. Béni par lui qui ta parole neno lako. Amen. Amen. Mettons-nous assis dans sa présence chez.
Alléluia. 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 Amen. Tu as bien fait d'être ici. Tu as bien fait de choisir d'être en cette place. C'est le moment que Dieu aime. Ni munda ambao Mungu anaupenda. Malheur à toute personne qui néglige la parole de Dieu lorsqu'elle est prêchée. Ni jambo la kusikitisha kwa wale ambao wanakaa nje wakati neno la Mungu linahubiriwa. Malheur à toute personne qui néglige la parole de Dieu. Ni la kusikitisha na la huzuni kwa wale wanaopuuzia wakati wa neno la Mungu. Si c'était un réunion d'un ministre ou bien d'un président, tout le monde allait ouvrir leur oreille. Ingalikuwa ni mazungumzo na mkuu fulani wa siasa, kama sote tungalienda na kufungua masikio kusikiliza. Et tu ne devrais pas laisser même un point te passer. Na haungaliacha hata neno moja liweze kukupita. Il est temps d'écouter la parole de Dieu. Ni wakati wa kusikia neno la Bwana. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Il y avait un homme appelé Jésus-Christ. Kulikuwa na mwanaume anaitwa Yesu Kristo. Alléluia. 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 Il y avait un homme appelé le roi de rois. Kulikuwa mtu aliyekuwa anaitwa mfalme wa wafalme. Il s'appelle le Seigneur des Seigneurs. Anaitwa Bwana wa mabwana. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Damu ya Yesu inayofungua. Le rejeton de David. Ala wa Daudi. Le lion de la tribu de Judas. Simba la kizazi cha Yuda. Le fils de Dieu. Mwana wa Mungu. L'alpha et l'oméga. Alpha na omega. Mwanzo na mwisho. Le premier et le dernier. Mwanzo na wa mwisho. La parole de Dieu. Neno la Mungu. La lumière du monde. Mwanga wa ulimwengu. L'étoile brillante du matin. Nyota ya asubuhi ingayo. Je connais ce Jésus. Namjua huyu Yesu. Je connais ce Jésus. Namjua huyu Yesu. Je connais ce Jésus. Namjua huyu Yesu. Il est vivant. Anaiko hai. Il est vivant. Yuko hai. Je connais ce Jésus. Namjua huyu Yesu. Je connais ce Jésus. Namjua huyu Yesu. C'est mon Seigneur. Ni Bwana mkuu. C'est mon roi. Ni mfalme wangu. Il m'aime. Ananipenda. Il me connaît. Ananijua. Jésus est Seigneur. Yesu Kristo ni Bwana. Un jour. Na siku moja. Un jour. Siku moja. Cet homme appelé Jésus-Christ. Huyo anaitwa Yesu Kristo. Avec ses disciples. Pamoja na wanafunzi wake. Il a donné l'exemple, donc une parabole. Akawapea mufano en disant ceci. Akukisema ya kwamba. Le royaume de Dieu est semblable à 10 vierges. Ufalme wa mbinguni unafananishwa na wabikira wa kumi. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu, ufalme wa Mungu, est semblable à 10 vierges. Unafananishwa na bikira kumi. Qui sont allés à la rencontre à leur époux. Walioenda kwenye mkutano wao. Et lorsqu'ils sont allés, na wakati walipoenda, la Bible dit elles ont pris leur lampe. Biblia inasema walichukua taa zao. Tous les 10 ont pris leur lampe. Wote wakumi walichukua taa zao. Et comme le pour a tardé de venir, na wakati Bwana arusi alipokawia kuja, la Bible dit, Biblia inasema, les femmes ont somnolé et ils sont tombés, ils ont dormi. Wanawake walilala na wakasinzia. Alléluia. Alléluia. Quand je te parle de 10 vierges, wakati ninakwambia kuhusu mabikira kumi, tu entends le mot vierge, kama unasikia neno bikira, c'est-à-dire c'est une femme qui ne connaît pas un homme. Ina maana ni mwanamke ambaye hajui mwanaume. Elle est vierge. Yuko bikira. Elle est fidèle à l'époux. Je peux dire cela. Kama ni mwanamke inaonesha uaminifu wake wakati atapokuwa na bwana arusi. Et aujourd'hui, na leo, la Bible appelle l'église de Jésus-Christ comme vierge. Biblia inaita kanisa la Kristo kama bikira. L'église de Jésus-Christ, kanisa la Yesu Christ.
Jésus-Christ. Et la femme de Jésus-Christ. Ni mtu wa Yesu Kristo. Il a payé le prix. Alilipa gharama. Pour marier sa femme. Ili apate huyu mwana. Prendre sa femme. Ili apate huyu mwana. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Sisi ni wake wake Yesu Kristo. Nous sommes la femme de Jésus-Christ. Sisi ni bibi arusi wa Yesu Kristo. Notre Seigneur Jésus-Christ. Mwana wetu Yesu Kristo. Et allez préparer la maison. Ali. L'État est préparé la maison. Alienda kuanda nyumba. Là où il va mettre sa femme. Mahali pale ataweka mke wake. Il se prépare correctement. Inabidi ayandae vipasavyo. Nous attendons le jour de la noce. Sisi tunangojea siku ya kutangaza. Alléluia. 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 Il va revenir. Atarudi. Il va revenir. Atarudi. Il va revenir. Atarudi. Notre Seigneur, Bwana wetu, les dix vierges, bikira kumi, avaient leur lampe. Walikuwa na taa zao. La lampe, ta, la Bible aussi nous parle que, Biblia pia inasema kwamba, en Psaume chapitre 119, verset 105. Katika kitabu cha Zaburi, 119, na msari wake wa 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Neno lako ni taa miguuni pangu. Et une lumière sous mes sentiers. Na mwanga katika njia zangu. Hallelujah. Hallelujah. La parole de Dieu, neno la Mungu, est semblable à une lampe. Inafananishwa na taa. Et la lampe est semblable à la parole de Dieu. Nata inafananishwa na neno la Mungu. Mais la Bible me dit, Biblia inasema, il y avait 10 vierges. Kulikuwa na bikira kumi. Elles ont pris leur lampe. Waliochukua taa zao. 10 vierges égale à 10 lampes. Ma bikira kumi wakiwa na nata kumi. Elles étaient 10. Walikuwa kumi. Et chacun d'entre eux portait leur lampe. Na kila mmoja akiwa na taa ya. La Bible ne nous dit pas que parmi eux il y avait une qui n'avait pas la lampe. Na Biblia inatuambia kwamba kati yao kuna yule kuwa na taa. Mais la Bible dit que tous avaient leur lampe. Lakini Biblia inasema wote walikuwa na taa zao. Pour aller à la rencontre à leur Seigneur. Ili waende katika kukutana na Bwana wao. Et comme le Seigneur a tardé de venir. Na wakati Bwana alipochelewa kufika. Il fallait que le vierge attende le pour. Ilibidi wale mabikira wamngoje Bwana arudi. Ils ont attendu le pour. Walikuwa wanamngoja Bwana. Le pour n'est pas venu. Na Bwana hakuja. Ils ont attendu le pour. Walikuwa wakingojea Bwana. Jusqu'à ce qu'elles sont s'endormies. Bien aimé dans le Seigneur. Nous avons dit que le vierge ressemble à l'église. Les vierges ressemblent à l'église. Aujourd'hui, Léo, toute l'église kanisa ont leur lampe. Ont leur lampe. Wanata. Mais la différence est celle-ci. La parmi les dix vierges, katika hao mabikira kumi, cinq d'entre eux, kuna tano miongoni mwao, la Bible les appelle les folles vierges. Biblia inasema wapumbavu, mabikira wapumbavu. Elles avaient leur lampe, walikuwa na taa zao, mais elles n'ont pas pu prendre de l'huile. Lakini hawakuchukua mafuta, parce que pour que la lampe s'allume, il faut de l'huile. Ili kwamba taa iwake, inabidi mafuta. Et la Bible me dit que, na Biblia inasema kwamba, les cinq vierges. Pia kulikuwa mabikira kumi wenye hekima. Les cinq sages. Watano wenye busara. La Bible dit que elles ont pris la lampe avec the reel. Biblia inasema walichukua taa pamoja na mafuta. Mais tous étaient vierges. Na wote walikuwa bikira. Tous ont pris la lampe. Wote walichukua taa. Mais la différence entre elles. Lakini utofauti kati yao. C'est the reel. Ni mafuta. Elles ont oublié de prendre the reel. Walisahau kuchukua mafuta. Bien aimé dans le Seigneur. Nous vous avons quatre. Aujourd'hui, tout le monde marche avec la Bible. Léo, si tu vois que tu n'as jamais la Bible, tout le monde, chaque église a la Bible. Si tu vois que la canisse lit la Bible, nous utilisons la Bible. Tu n'as tout mis la Bible. Nous utilisons la Bible. Tu n'as tout mis la Bible. Le problème en est que la Bible est autofautive. Le problème n'est pas de prendre la Bible. Si la Bible. Le problème n'est pas de prendre la lampe.
bien là. Shida iliyo. Ce qui fait la différence. Il n'a ce n'est pas la lampe. Si ce qui fait la différence. Ce n'est pas être présent. Si ce qui fait la différence. Il ce n'est pas être entre le Seigneur. Si ce qui fait la différence. Il c'est lui qui est dans la puta iliyo. C'est lui qui est dans la puta. Puta iliyo. Avec la parole de Dieu. Tout le monde se proclame que nous sommes fidèles. Écoutez la parole. C'est qui la même. Dieu veut te parler aujourd'hui. Que tu dis amen ou pas, mais Dieu va parler. Tu fais semblant ou pas, mais Dieu va parler. Kutarajia lakini Mungu anataka kusema. Alléluia. Elles attendaient Jésus-Christ. Walikuwa na mgojea Yesu Kristo. Toute église attend Jésus-Christ. Kanisa zote zina mgojea Yesu Kristo. Toute église attend Jésus-Christ. Kanisa zote zina mgojea Yesu Kristo. Il y avait les femmes folles. Kulikuwa mwanamke mshinga. Ya le chrétien fou. Kuna wakristo wachinga. Un chrétien fou. Mkristo mshinga. C'est celui qui vient à l'église. Ni yule amekuja sans savoir pourquoi il vient à l'église. Bila kutambua kwa nini anakuja kanisa. Ni mkristo. Il prend la Bible. Anachukua Biblia. Pourquoi il prend la Bible. Bila kutambua kwa nini anachukua Biblia. Ni mkristo. Il prie Jésus Christ. Anachukua Yesu Kristo. Sans savoir pourquoi il prie Jésus Christ. Bila kujua kwa nini anachukua Yesu Kristo. Ni mkristo. Sans savoir pourquoi il vient, sans savoir ce qui va se passer, il a toujours dit qui t'a causé, sans savoir ce qui va se passer, il a toujours dit qui t'a causé, il était à l'attente. Quand il s'en va, il est au courant, il savait, il a tout à si nous sommes ici, comment tout qu'on a, elle savait. Wanajua que si nous sommes ici, kama tuko hapa, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un événement qui va se passer. Il y a quelqu'un qui va venir. Il y aura une transformation. Il y aura une chose la plus compliquée. Mais il y a d'autres chrétiens qui ne connaissent pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer demain. Pourquoi cela? Parce qu'elle voit la nourriture devant eux. La nourriture ferme les yeux. Les habits ferment les yeux. Les voitures ferment les yeux. Les mariages ferment les yeux. Elles ne pensent plus de Jésus-Christ. Elles ne pensent plus de la vie éternelle. Elles ne pensent plus de Dieu. Ils te mettent dans le Seigneur. Dieu a besoin de toi. Bwana ana acha ya wewe. Elle attendait Jésus-Christ. Tunangojea Yesu Kristo. Dire-le dans le Seigneur. Ndugu wapendwa katika Kristo. Tu peux être appelé un chrétien. Unaweza kuitwa Kristo. Quand quelqu'un voyait les 10 vierges. Elle dira ce sont des vierges. Mais parmi eux, la kini miongoni mwa, elle attendait l'époux. Wakati walikuwa wakimgojea bwana harusi, elle ne savait pas, hawakujua parmi eux, kwamba miongoni mwa, il y aura ceux qui vont entrer et ceux qui vont être rejetés. Kwamba kuna wale watakaoingia na wale watakaokataliwa. Elle ne savait même pas. Mais elle disait, nous attendons le Seigneur. Mais la Bible dit ceci. Et la manière les femmes, les vierges attendaient l'époux. Comme l'époux a tardé, elles sont tombées en sommeil. Elles sont tombées en sommeil. Vous voyez quand quelqu'un tombe en sommeil.
Ikiwa mtu analala usingizi, la Bible dit que c'était à minuit. Biblia inasema ilikuwa saa sita ya usiku. C'est lorsque une personne est dans un profond sommeil. Ni muda ambao mtu yuko katikati ya usiku. Tu ne sais pas ce qui se passe. Hawezi kujua nini kinaendelea. Tu ne sais pas ce qui est à côté de toi. Hawezi kujua kile kiko katikati. L'homme est mort. Uko kama mtu. Tu ressembles à un mort. Unafananishwa na aliye kufa. Un serpent peut passer sur toi. Hawezi jua chochote kinapasa. Hawezi kutambua. Tu es comme un mort. Kama uko kama mtu ambaye amekufa. Il ne savait rien. Atambui chochote. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. La plupart des enfants de Dieu aujourd'hui. Wengi miongoni mwa watoto wa Mungu. Ils sont dans le sommeil. Wako katika usingizi. Elle dort. Wamelala. Elle ne pense aucune chose. Awatambui chochote. Elles sont en ordre. Wanafikiri wako sawa. Elles pensent, elles sont en ordre. Wanafikiri wako katika hali nzuri. Les bonnes filles vierges. Wabikira wachinga. Elles savaient, elles étaient en ordre. Walijua kwamba wako sawa. Mais elles se trompaient. Lakini walijikoro. Elles se trompaient, walijidanganya. Walijidanganya. Le titre de ce message. Na neno la ujumbe huu. C'est utile, ne te trompe pas. Usijidanganye. Parmi les cinq vierges. Miongoni mwa hao watano. Se trompaient. Walikuwa wamejidanganya. Nous sommes en ordre. Walijua kwamba tuko sawa. Même si le Seigneur vient maintenant. Hata kama Bwana akikuja sasa. Nous allons aller avec lui. Sisi tutaenda pamoja na yeye. Il va nous accueillir. Atatuchukua. Le malheur à ses folles. Lakini usumi wale wachinga. La Bible dit. Biblia inasema. Elles sont allées chercher de l'huile. Walienda kutafuta mafuta. À leur départ. Na wakati. À leur départ. Na katika safari yao. L'époux est venu. Wanarusi alifika. Et le pou a pris celle qui était prête. Na wanarusi alichukua wale waliokuwa tayari. Celle qui était prête. Wale ambao walikuwa tayari. Il est allé avec alienda pamoja na wao. La Bible dit. Na Biblia inasema. Et le Seigneur a fermé la porte. Bwana akafunga mlango. Lorsque les folles sont revenues. Wakati wale wachinga walipokuja. Elles ont dit Seigneur, Seigneur. Wakasema Bwana Seigneur, Seigneur. Bwana Bwana. Ouvre-nous la porte. Fungulia sisi mlango. Na Bwana akasema, retirez-vous de moi. Rudieni na tokeni kwangu. Sont venus en retard. Walikuja wamechelewa. Elles devraient se préparer avant l'arrivée de leur époux. Wangalitakiwa kujiandaa kabla ya kuja kwa bwana harusi wao. Bien-aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Je ne peux pas aller à gauche à droite. Siwezi kwenda kuume ama kushoto. J'ai une seule parole à te parler aujourd'hui. Nina neno la kukupatia. Je veux que tu te prépares. Nataka ujiandae. Je veux que tu te prépares. Mungu anataka ujiandae. Je veux que tu te prépares. Mungu anataka ujiandae. Je veux que tu te prépares. Mungu anataka ujiandae. Je veux que tu te prépares. Mungu anataka ujiandae. Je veux que tu te prépares. Mungu anataka ujiandae. Je veux que tu te prépares. Mungu anataka ujiandae. Je veux que tu te prépares. Mungu anataka ujiandae. Maisha yako namna gani leo? Peut-être tu te trompes. Labda unajidanganya. Tu crois que tu es en bonne relation. Unafikiri uko katika uhusiano mzuri na Mungu. Ta vie en bonne relation. Unafikiri maisha yako yako katika uhusiano na Mungu. Tu es saint. Unafikiri uko mtakatifu. Tu crois que tu mérites. Unafikiri unastahili. Prépare-toi. Ujiandae. Bien-aimé, wapendwa. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika Kristo. Vous savez, parmi les enfants de, parmi les gens qui sont sur cette terre, unajua kwamba miongoni ya watu walio katika ulimwengu huu, et celui qui est appelé à vivre éternellement, na kwa wale walioitwa kuishi milele. Quand il écoute la parole de Dieu, wakati wanasikia neno la Bwana, chaque fois il se regarde, kila wakati wanajiangalia, la parole lui touche, neno linawagusa. Quand il écoute de tels messages, wakati wanaposikia maneno yenye busara, la parole est comme une épée dans son cœur, neno linakuwa kama kuki katika
regarde la parole de Dieu, elle compare sa vie à la parole de Dieu. Ma vie n'est pas bonne. Je suis un pécheur. Non, ni contre ça. Ce que je fais n'est pas bon. Il est dit, mais fais des signes qui sont. Que je change. Il n'a pas dit, il m'a dit, il faut que je change. Il n'a pas dit, il m'a dit, mais celui qui est appelé à aller au feu. Lakini wale walio itwa kwenda motoni ama kuzimu. Quand tu parles, wakati wanaambiwa, il fait seulement comme ça. On a pas de tout niveau. À part le parler fini, laisse-nous aller à la maison. Aongea tumalize apotoka kwa nyumbani. Je l'ai dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Avant que je continue. Kabla niendelee. Je mérite parler ainsi. Nataka nikwambie. La Bible me dit comme ça. Biblia inasema. Le royaume des cieux. Ufalme wa Mungu. Pour les enfants de Dieu. Pour watoto wa Mungu. L'enfer. Na kuzimu. L'enfer. Kuzimu. Le feu éternel. Moto wa milele. Préparé pour Satan et ses anges. Il est dans lui kwa ajili ya Shetani na malaika. Satan et ses anges. Il est allé à quoi tirer, mais toi, tu es à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu veut que tu vis éternellement. Kitabu cha Ufunuo mstari wa tatu, sura ya tatu, mstari wake wa kwanza. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Je sais que tu as le nom de vivre, mais tu es mort. Ninajua una jina la kuwa hai na umesha kufa. Tu as le nom de quelqu'un qui vit, mais tu es déjà mort. On a jina la mtu aliye hai, lakini wewe umekufa. Bien aimé dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. Je demanderai que cette parole pénètre au dedans de toi. Ningaliomba neno hili likaweze kupata nafasi mbele. J'aimerais que cette parole amène la frayeur au dedans de toi. Nataka neno hili lilete msisimko ndani yako. Tu peux vivre. On a ouvert les yeux. Les gens peuvent te voir que tu vis. Watu wanaweza kukuona unaishi. Les gens peuvent dire que tu es vivant. Na watu wanajua wewe ni msiba. Les gens peuvent dire que tu es chrétien. Na watu wanajua wewe ni Mkristo. Les gens lorsqu'ils te regardent ils diront que oui, tu es un enfant. Watu wanapokuangalia wanasema ndiye wewe ni mtoto. Bien-aimé dans le Seigneur, wapendwa katika mes amis, écoutez ceci. Ndugu zangu sikilizeni. Mes amis dans le Seigneur, écoutez ceci. Ndugu zangu katika Kristo sikilizeni. Dieu veut que tu changes ta vie. Nataka ubadilishe maisha yako. Tu es la vie de Dieu au dedans. Ili uwe na maisha ya kimungu ndani yako. Pourquoi tu n'aimes pas Dieu? Kwa nini haupendi Mungu? Pourquoi tu ne veux pas retourner à Dieu? Kwa nini haupendi kugeukia Mungu? La Bible dit ceci. Biblia inasema. Quel est nom? Una jina. Quelqu'un qui a la vie. Ya kuwa mhai. Les gens te voient que tu vis. Watu wanakuona kama uko hai. C'est les gens qui te regardent. Wale ni watu wanakuona. La Bible nous dit. Lakini Biblia inasema. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Mungu angalie kama watu angalie. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Mungu angalie kama wanadamu. Tu peux te faire comme un fidèle dans l'église. Unaweza kujifanya mwamini.
connais tes œuvres. Mungu anasema ninajua matendo yako. Je connais tes œuvres. Najua matendo yako. Pas le secret devant Dieu. Hakuna siri mbele za Mungu. Ce que tu fais dans la cachette. Mungu anayafanya katika siri. Dieu voit. Mungu anaona. Dieu voit. Mungu anayaona. Dieu voit. Mungu anaona. Avec tes critiques. Na ile kusengenya yako. Dieu voit. Mungu anaona. Et surtout les chrétiens aujourd'hui. Na zaidi wa Kristo wengi leo. On l'habitude de critiquer le soir de Dieu. Tabia ya kusengenya watu. Je vais te dire continue. Nataka kukwambia endelea. Continue. Endelea. Vas-y. Endelea. Félicitations. Endelea. Mais à la fin. Lakini mwisho. Mais à la fin. Lakini mwisho. Mais à la fin. Lakini mwisho. Tu ne veux pas te répondre. Kama hautaki kutubu. Tu n'abandonnes pas tes péchés. Kama hautaki kuacha dhambi zako. La Bible dit. Biblia inasema. Le salaire du péché c'est la mort. Mshahara wa dhambi ni mauti. Bien-aimé dans le Seigneur. Pendwa katika Kristo. Abandonne ce que tu veux. Toka katika hilo unalo. Réponds-toi. Et venez vers Jésus. Urudi kwa Kristo. Il va changer ta vie. Atabadili maisha yako. Que Dieu vous pardonne. Mungu atusamehe. Bien-aimé, mon père, vraiment, il y a la tromperie parmi les enfants de Dieu. Kuna kujidanganya miongoni mwa watoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Il y a la tromperie dans les enfants de Dieu. Kuna udanganyifu miongoni mwa wana wa Mungu. Je veux te donner une chose. Nataka nikupatie kitu moja. Fais comme ça. Fanya hivi. Regarde-toi. Ujiangalie. Fais examen de conscience. Fanya hesabu akilini mwako. Où est ta vie maintenant? Où maisha yako iko wapi kwa sasa? Toi-même, tu sais. Peke yako unajua. C'est comment tu te présentes devant les hommes. Jisikani unajiwakilisha mbele ya watu. Comment tu te présentes devant ton pasteur. Jinsi unajiwakilisha mbele ya mchungaji wako. Et ce que tu fais dans le secret. Na ile unayafanya katika siri. Dieu dit que je connais tes œuvres. Mungu anasema anajua matendo yako. Tout ce que tu parles, yote unayoyasema. Tout ce que tu penses, yote unayoyafikiri. Tout ce que tu fais, yote unayoyafanya. Dieu voit tout. Bwana ana Mungu anajua anaona. Dieu voit tout. Mungu anayaona yote. Tu peux te mettre. Unaweza kujifanya. Et tu attends comme les vierges. Na unangojea kama wale mabikira. Tu viens à l'église. Unakuja kanisani. Ton pasteur est fier de te présenter certains membres de l'église. Na mchungaji wako anasikia yuko, anajisikia vema kukuwakilisha kwamba huyu ni mshirika wa kanisa la. Fidèle de l'église. Kwamba ni mwaminifu katika kanisa. Mais ta vie est pourrie. Lakini maisha yako imeharibika. Ta vie est pourrie. Maisha yako imeharibika. La Bible dit que Biblia inasema le chrétien ressemble au pomme blanchi. Biblia inasema wa Kristo wanafananishwa na makaburi inayopakwa rangi ya chuma. Le chrétien ressemble au pomme blanchi. Wa Kristo wanafananishwa na kaburi lililopendazwa nje. Mais au-dedans il y a que la pourriture. Lakini ndani yake kuna jaa mifupa. Jésus veut que tu vis. Mungu anataka uishi. Ça c'est pas une bonne vie que tu mènes. Sio maisha unayo. Sio maisha unayo. Pourquoi dans la conscience ne te travaille pas? Kwa nini dhamiri yako haifanye kazi? Aujourd'hui les chrétiens vivent dans le mensonge. Siku hizi wa Kristo wanaishi ndani ya uongo. Ils sont contents de cela. Na wana furaha na hiyo. Ils sont contents de cela. Wanaishi furaha na hiyo. Mensonge. Uongo. Le mensonge. Uongo. La Bible dit. Biblia inasema. Satan est le père de mensonges. Shetani ndiye baba ya waongo. Abandonne ça. Toka hiyo. Tu es un enfant de la vérité. Wewe ni mwana wa kweli. Tu es un enfant de la vérité. Wewe ni mwana wa kweli. La vérité. Kweli. La vérité. Kweli. C'est pas de la joie. Wakati wa furaha.
Regardez les cinq vierges. Angalia wale wabikira watano wenye usafi. Quand elles sont venues et les autres sont parties. Wakati alipofika wengine ndio wakiondoka. La porte auparavant, elles ont voulu entrer. Na hapo mbele walikuwa wanatakiwa kuingia. Parce qu'elles savaient qu'elles vont entrer. Et par conséquent, walijua wataingia. Mais quand elles sont venues, lakini alipofika, elles ont trouvé que la porte était fermée. Wakapata mlango umefungwa. Elles savaient que walifikiri kwa Dieu est amour. Mungu ni upendo. Ah, Dieu nous aime. Mungu anakupenda. Comment un Dieu amoureux peut nous rejeter? Kwa nini Mungu wa upendo anaweza kutuhukumia? Nous allons entrer. Non, tutaingia tu. Ah, oui, je suis chrétien. Na mimi ni Mkristo. Ainsi le message est que Dieu est amour. Ah, Mungu ni upendo. La Bible dit il m'a créé à son image. Biblia inasema aliniumba kwa mfano wake. Kwa nini anafermer la porte? Kwa nini anaweza kunifungia mlango nisiingie? La Bible dit, elles sont venues et la porte était ouverte. Fika na mlango umefungwa. Bien-aimé, mpendwa, prépare-toi, ujiandae pour entrer dans sa gloire. Ujiandae ili kuingia katika utukufu wako. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, Léo, les gens se glorifient en vain. Watu wanajisifu kwa bure. Parce que j'ai été la personne. Kwa sababu nilikuwa mtu. Parce que j'aide les gens. Kwa sababu ninapenda watu. Saidia j'aide. Na nataka napenda kusaidia watu. Il se glorifie. Anajisifu. Parce qu'il prêche la parole. Kwa sababu anahubiri neno. Il se glorifie. Anajisifu. Parce que l'église est remplie de gens, de milliers de personnes. Kwa sababu kanisa inajaa na watu wengi sana. Et c'est glorifié. Anajisifu. Mais je suis venu te parler. Lakini nimekuja kukwambia. Je suis venu te parler. Nimekuja kukwambia. Prêcher la parole de Dieu. Ubiri neno la Mungu. N'est pas un ticket d'aller dans les cieux. Ok. Sio nauli ya kwenda mbinguni ya sasa tunga. Prêcher la parole. Kuhubiri neno. Prêcher la parole. Kuhubiri neno. N'est pas un ticket pour aller dans les cieux. Si on dit à nauli yako ya kukupeleka mbinguni. Prêcher la parole. Kuhubiri neno. Cela ne veut pas dire que donc, la porte du ciel est ouverte pour toi. Si on dit à imanisha ya kwamba mlango wa mbingu uko wazi kwa ajili yako. Et tu chantes, quand ça va pour on aime, cela ne veut pas dire que tu dois aller dans les cieux. Il va essayer de commander ce qu'on va au terrain mingure. Parce qu'on t'appelle pasteur quand tu vas aller au ciel. Quand ça va pour tu n'as plus de mtungaji na maana au terrain mingure. Parce que tu es toujours avant l'église, donc tu vas aller au ciel. Quand ça va pour dire wakati uko kanisani. Parce que ton pasteur t'aime, donc tu vas aller au ciel. Si on se bat pour une chose, tu vas prendre un coup de pied dans la main dans ton cœur. C'est pas parce que tu es la femme d'un pasteur que tu dois aller au ciel. Si on se bat pour quoi que ce soit, mais tu es une chose. Il y a des fois où tu es dans mon père est un pasteur, donc je vais aller au ciel. Quand on va pas y avoir des coups en chose, tu vas venir te dans mon cœur. Non, Habana. Vivez dans la sanctification. Abandonnez le péché. Vous allez voir la face de Dieu. Si vous ne voulez pas, c'est l'enfer. Même si tu es pasteur, si tu ne veux pas, c'est l'enfer. Même si votre église, il y a des milliers de personnes, si tu ne veux pas, c'est l'enfer. La Bible dit, la sainteté, 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 sans la
sainteté. Utakabila utakatifu. Nul ne verra la face de Dieu. Hakuna kuona uso. Sans la sainteté. Pasipo utakatifu. Tu ne verras la face de Dieu. Huwezi kuona uso. Sans la sainteté. Pasipo utakatifu. Tu ne verras pas la face de Dieu. Huwezi kuona uso. Sans la sainteté. Pasipo utakatifu. Il n'y a pas la vie éternelle. Hakuna maisha ya milele. Sans la sainteté. Pasipo utakatifu. Comment est ta vie aujourd'hui? Maisha yako iko na nani? Comment tu mènes ta vie aujourd'hui? Kwa nini unaibeba maisha yako? Namna gani umebeba maisha yako leo? Béni soit l'homme qui obéit à la parole de Dieu. Abarikiwe na anaheri mtu anayelitii. Béni soit la personne qui est prêt à abandonner ses péchés. Abarikiwe na anaheri mtu ambaye yuko tayari kuachana na dhambi. Béni soit la personne qui est prêt à se repentir. Abarikiwe mtu ambaye yuko tayari kuanza kutubu. Béni soit la personne qui est prêt à dire Seigneur, je veux ta vie. Abarikiwe mtu ambaye yuko tayari kusema kwamba Bwana, ninahitaji maisha yangu. Seigneur, je n'aime plus le péché. Baba Bwana, sitaki tena dhambi. Pardonne-moi. Unitamee. Pardonne-moi. Unirehemu. Pardonne-moi. Unirehemu. Je suis busy. Niko nina shughuli mingi. La réponse d'aujourd'hui. Je veux la sécurité. Je ne viens pas à l'église. C'est pour du kanisani. Je suis prête. Je suis prête. Je suis prêt. Niko tayari. Je ne vais pas. Je ne vais pas. Ah, c'est d'accord. Je suis allé à la prière la semaine passée. Il est d'accord. Je manque cette semaine. Je vais aller la semaine prochaine. Ok. Le dimanche prochain, je vais aller à l'église. Ah, dimanche, là, vous allez faire la danse. Mais l'autre dimanche, là, non. Elles attendaient l'époux. Elles attendaient l'époux. Ce sont les folles femmes. C'est ce qu'elles pensaient. C'est ce qu'elles pensaient. Ils vont dire qu'on va les piquer. Ils croyaient avec ce caractère, ils vont voir les pouls. Ils croyaient vers le pouls. Ils veulent te voir dans sa présence tous les jours. Ils veulent te voir dans sa présence tous les jours. Mais toi tu donnes des raisons, ça ne marchait pas. Mungu anakuhitaji lakini wewe unajiletea kwa sababu. Je suis fatigué. Nimechoka. Si tu me dis je suis fatigué, moi je te dis viens à l'église, que tu meurs dans l'église, dans la présence de Dieu. Et qui unaniambia mimi umechoka, mimi nitakwambia kuja kanisani, ukuje kufie hapa kanisani. Je suis visiteur, je ne viens pas. Viens avec tes visiteurs à l'église. Nilikuwa na wageni nyumbani, tako kuja na wageni kanisani. Les folles femmes. Ceux qui attendaient Jésus, avec mes visiteurs, nous allons rester. Oui, restez à la maison. Car la Bible dit que les morts enterraient leur mort. Quand les visiteurs viennent vers toi, c'est Dieu qui les a envoyés pour que tu puisses les envoyer. C'est Dieu qui les amène. Pour que tu les amènes. C'est Dieu qui les amène. Pour que tu les amènes. Il n'y a pas de raison. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Dieu nous aime. Mungu anatupenda. J'ai une question. Niko na swali. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu a envoyé Jésus Christ réellement? Mungu anajua kwa nini Mungu alituma Yesu kabisa. Pourquoi?
vanille. Jésus qui vivait la gloire de Dieu. Yesu aliyekuwa na Yesu tukufu wa Mungu. Savez pourquoi Jésus a accepté d'abandonner son trône de gloire pour venir souffrir pour les enfants qui ne savent pas comment employer le mot. Kwa nini Yesu awache utukufu na kiti cha enzi akuje hapa kuja kutusekea na kutafuta wana na watoto watu ambao sijui nitasemaje. Pourquoi qu'est-ce qui a poussé? Quoi, nini, nini, pour m'empêcher de quoi? Pour m'empêcher de quoi? Bien-aimé, celui qui a créé la chair, c'est Dieu. Celui qui a créé ton âme, c'est Dieu. Il connaît comment maltraiter ta chair et ton âme. Anajua jinsi gani ya kuisumu ya kui ya kuichu ya kushughulikia nafsi yako na mwili wako. Si tu te repampa na kama autubu, Dieu sait qu'il y a un malheur. Mungu anajua kuna ole. Il y a un malheur devant toi. Kuna ole mbele yako. La Bible dit. Biblia inasema. Là il y a le pleur et le grincement dedans. Kule kuna huzuni na machozi uko ndani. Vilio na kusiaga meno. Yes. Dieu ne veut pas que tu entres dans de tels problèmes. Mungu hataingie katika shida hiyo. Est-ce que tu reçois quelque chose aujourd'hui? On a compris à qui tout ce qu'on est. Est-ce que ta conscience te parle au travers de cette parole? Est-ce que tu te demandes comment est ma vie? Est-ce que tu penses où tu verras Jésus? Peut-être tu te trompes. Peut-être tu te trompes. Tu crois que tu as bonne relation avec Jésus? Tu crois que tu vas vivre avec Jésus? Bien-aimé, demande à Dieu de te montrer le chemin à suivre. Il est temps. C'est le moment. Les chrétiens aujourd'hui, l'orgueil a dépassé le meilleur âge. Le Christ aujourd'hui, il pourrait qu'il me parle à ta cousine qui va au chaos. L'humilité, le chrétien aujourd'hui, Christ aussi, il n'y a pas l'esprit du pardon. À quoi la royaume s'amène? Parce qu'il m'a fait ça, je veux lui montrer. Comme tu as fait ceci, je veux te montrer qui je suis. Et tu attends Jésus-Christ. Tu dis que je vais tout pardonner. Mais celui-là, de la manière qu'il m'a fait, même si le ciel change de couleur, je ne lui parlerai jamais. Non, c'est fausse, tu te trompes. Bien-aimé, je suis presque à la fin. Je suis presque à la fin. Avant que je termine, je vais vous donner un verset. Nataka nikupatie andiko. Que Dieu nous a donné. Ambayo Mungu alitupatia. Il n'a pas écrit pour les païens. Akuandika kwa ajili ya wapagani. Il n'a pas écrit le verset là pour ceux qui viennent à l'église. Hajaandika andiko hilo kwa ajili ya wale wanakuja kanisani. Il n'a pas écrit le verset
il n'a pas écrit le verset là à ceux qui ne viennent pas à l'église. Hajaandika andiko hilo kwa ajili ya wale ambao hawakuji kanisani. Je veux répéter. Le verset là, j'aimerais que tu écoutes attentivement. Andiko hilo nataka ulisikilize kwa umakini. Garde ça tous les jours dans ta vie. Angalia hilo kila siku katika maisha yako. Avant de faire quelque chose, il faut que tu te souviennes de cet verset. Kabla ufanye chochote le verset là n'est pas pour le païen. N'est pas pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. C'est pour toi, c'est pour toi, pour moi et pour l'autre. La Bible dit ceci. Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23. Matthieu mustari wa saba. Sura ya saba mstari wa 22 mpaka 23. Kiswahili nasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mingi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Amina. Haleluya. Est-ce que nous sommes ensemble? Je tuko pamoja. Si nous sommes ensemble, lève ta main. Kama tuko pamoja, tuko pamoja. Si tu écoutes. Nataka nijue kama unasikia. Maintenant fermez nos bibles. Kwa hiyo funga bibles. Fermons nos bibles. Funga bibles. Dieu, Mungu, mon Jésus-Christ, Yesu Kristo, il ne parle pas aux païens. Anasema na wapagani. Parce que le païen, tu ne le verrais jamais prier. Kwa sababu wapagani hawajui kuomba. Tu ne verras un païen de prophétiser, de parler de la part de Dieu. Hautaona mpagani akitabiri ama akiongea maneno ya Mungu. Il ne vient même pas à l'église. Hawakuji hata kanisani. Lui ne prie même pas. Hawajui hata kuomba. Alléluia. Alléluia. Plusieurs me diront ce jour-là. Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Le Seigneur leur dira ainsi. Allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Cette parole me fait toujours peur. Il a fallu ouvrir cette parole. Me fait toujours peur. Il a fallu ouvrir. Me fait toujours peur. Il a fallu ouvrir. Je me suis demandé. Comment expliquer le gens qui prient, qui chassent les démons? Il a fallu kutuka jinsi gani watu wanaotoa mapepo. Au nom de Jésus. Les gens qui prient, les démons crient. Watu wanaomba na mapepo zinaomba. Dieu le dit que sortez, je ne vous ai jamais. À combien nous qui ne connaissent pas même chasser un petit démon, comment ça s'est réalisé? À toi qui ne connais même pas chasser un petit démon, qu'est-ce que le Seigneur te dira? Qu'est-ce que le Seigneur te dira? Bien-aimé, ne te trompe pas. Mon frère, ne te trompe pas. Ne te trompe pas. La parole ici nous parle ouvertement. Alors qui va aller au ciel? Qui va aller au ciel? Je te dis, c'est la grâce seulement. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas à cause de ce que tu fais. La Bible nous dit. Alléluia. Amen. Ésaïe 64, verset 6. Donc Dieu nous parlait que nos actes, tout ce que nous faisons des bonnes choses, un habit souillé, un habit sale devant Dieu. Pourquoi encore tu vas te glorifier devant Dieu? Tu as dit les choses bonnes que tu fais, ça est sale devant moi. Et tu dois
glorifier de voir. Na uendelea kujisifu. Bien-aimé, wapendwa, un jour, c'est pour moi. Des personnes sont allées au temple pour prier. Des personnes sont allées au temple pour prier. Avant que je termine, écoutez ceci. Des personnes sont allées au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre tax collector. Mmoja alikuwa mfarisayo na mmoja alikuwa mtoza ushuru. Le pharisien se tenant devant et dit. Et alisimama wima na akasema. Père, Baba, je suis un homme bon. Niko mtu mzuri. Je donne mon offrande. Natoa sadaka zangu. Je donne ma dîme. Natoa sehemu yangu ya kumi. C'est ce que nous disons. Je suis un homme de bien. Je n'ai juré pas les autres. Je ne bois pas de l'alcool. Je suis bien. Je ne manque pas le service de l'église. Je prie tous les jours 5 fois par jour. Oui, Seigneur, moi je suis à toi. Moi je suis un bon. Je ne suis pas comme l'autre. Je ne suis pas comme celui. Mais moi, je suis à toi. Je suis un chrétien. Mon pasteur me connaît. Oui, comme je vous ai dit, je suis la femme d'un pasteur. Moi-même, ma famille, nous prions chaque nuit à la maison. Mais quand ils font des mal, moi, je m'éloigne de ça. Je ne suis pas comme les autres, Seigneur. Moi, je suis à toi. La deuxième personne, le publicain est allé devant Dieu. La Bible me dit, il est allé devant Dieu. Il s'est agenouillé. La Bible me parle. Il n'a pas pu même élever sa tête vers les cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit, le deuxième a été exaucé par rapport au celui qui a été exaucé. Mais je suis venu te parler encore. Pierre, Jésus lui a dit, Yesu a commandé, tu vas me régner 3 fois. Avant que le coq ne chante. Écoutez ceci. C'est que l'Italie, tu vas me réunir 3 fois. Avant que le coq ne chante. Non, Seigneur, je ne te réunirai jamais. Avant que le coq ne chante. Écoutez ceci. C'est que les amis. Pierre a réuni Jésus 3 fois. Petro Ankarayosu Marata. Après cela, Bahada Yango, Pierre a pleuré. Petro Alilia. Il a pleuré. Alilia. D'avoir réuni son Seigneur. D'avoir réuni son Seigneur. D'avoir péché. Il a pleuré. Alilia. Il a pleuré. Alilia. Pleuré. Tu fais le mal et tu ris. Tu injuries et tu ris. Tu critiques et tu ris. Tu
cry. Pierre! Lire! Pierre! Lire! Le pardon que nous faisons aux lèvres, Dieu ne compte pas ça. Mambo tunayoyafanya katika masemi na kujinua Mungu yesaliye hiyo. Nous allons entrer dans la prière. Tunataka tuingie katika maombi. Nous allons nous mettre debout dans sa présence. C'est maman Wima. Je vais te demander, mets-toi debout. Nataka ni kuomba usimame Wima. Bien-aimé. Je ne suis pas venu te juger. C'est la couleur à pagouer au coude. Je ne suis pas venu te condamner. C'est la couleur à pagouer au coude. Le Seigneur a voulu nous rappeler sa parole. La qui ne m'ouvre à l'épreuve à tout bon bouche. Le Seigneur veut te rappeler sa parole. Wana alipenda akumbushe neno lake. Cette parole n'est pas nouvelle à toi. Neno hili silo jipya kwako. Où tu es aujourd'hui? Uko wapi leo? Comment est ta vie? Maisha yako iko vipi? Comme je vous ai parlé auparavant. Kama nilivyoongea hapo. C'est lui qui est appelé à vivre avec Dieu. Yule aliyeitwa kuishi pamoja na Mungu. Cette parole sera comme du feu dans son cœur. Neno hili ni kama moto katika moyo wake. Maintenant nous allons entrer dans la prière. Sasa tutaenda kuingia katika maombi. Nous allons entrer dans la prière. Naenda kuingia katika maombi. Le temps où je parle. Akati unaongea. C'est le moment où je te donne pour que tu puisses regarder le mal que tu as fait. Wakati nimekupatia uweze kuangalia maovu uliyofanya. Le mal que tu as fait à ton Dieu. Maovu uliyofanyia Mungu wako. Je ne sais pas le péché que tu as fait. Si jure zambi gani uliyofanya. Je ne sais pas comment est ton cœur. Si jure jinsi gani moyo wako. Je ne sais pas quel secret que tu caches. Si jure siri gani unayoficha. Je ne sais pas quelle personne que tu ne parles pas avec. Si jure ni mtu gani ambaye uzungumza naye. Je ne sais pas que tu es qui tu as relâché de toi. Si jure ni nani ambaye umejitenga naye. Je ne sais pas quelle famille que tu as détruit. Si jure ni jamii gani uliyoharibu. Que Dieu nous visite ce soir. Mungu atutembelee jioni. Prie là où tu es. Omba pale ulipo. Dis merci Seigneur à cause de la parole. Sema asante Bwana kwa ajili ya neno. Merci de m'avoir parlé. Asante kwa ajili kwa sababu ya merci de m'avoir parlé. Asante kwa kuninenea. Merci de m'avoir parlé. Asante kwa kuninenea. Je reconnais que je suis loin de toi. Nimetambua kuwa niko mbali. Je reconnais que je me suis trompé. Nimetambua kwamba nimekuwa nikidanganya. Je ressemble à ces cinq folles. Ninafanana na wale watano wanawake. Je me pensais être avec toi. Kwa sababu ninakuwa nafikiria kuwa pamoja na wewe. Merci Seigneur pour cette parole. Maintenant je veux que tu changes ma vie. Je veux te ressembler. Pardonne-moi. J'ai beaucoup critiqué. J'ai beaucoup injurié. Je suis orgueilleux. Je suis infidèle. Pardonne-moi. Ne cache pas. Devant Dieu, parle tout ouvertement à son Dieu, car il connaît ton cœur, il connaît le fond de ton cœur, il connaît le fond de ton cœur, il connaît le fond de ton cœur. Oh Jesus, thank you. Sim, para a luz.
Papa, tu connais notre vie. Papa, on a tu connais ma faiblesse. Je suis devant toi. Je viens devant toi. Je demande pardon. Je connais ma faiblesse. Je reconnais ma faiblesse. Je reconnais mes péchés. Seigneur Jésus, donne-moi ce soir. Je ne veux pas retourner tel que je suis venu. C'est toi qui t'aimes à courir à Jésus. Je ne veux pas retourner dans les péchés. C'est toi qui t'aimes à courir à ta vie. Pardonne-moi. Change ma vie. L'heure de changer est arrivée.
Merci papa. Asante baba. Akote ta parole. Kwa chili ya neno lako. Merci de ton pardon papa. Asante kwa neno lako. Tu es un grand Dieu. Wewe ni Mungu mkuu. Tout celui qui écoute ce message. Papa, prends cette parole. Papa, chukua neno. Papa, prends cette parole. Papa, chukua neno. Tu le mets dans le cœur de tous ceux qui sont dans le monde. Papa, prends cette parole. Papa, chukua neno. Ne fais pas comme tu fais. Chukua comme un monde dans le monde. Prends cette parole. Papa, chukua neno. Que ça soit comme le peur dans son cœur. Kama amani. Papa, prends cette parole. Papa, chukua neno. Pour changer de vie. Papa, dili maisha. Pour changer de vie. Papa, dili maisha. Changer de vie. Je te bénis Seigneur. Je te bénis cette journée. Merci de nous dire que nous soyons prêts. Que nous ne puissions pas nous tromper. Merci Seigneur. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit loué. Bénis ma soeur. Bénis mon frère. Bénis mon papa qui est ici. Bénis ma soeur. Bénis tout le monde. Oui papa. Nous te louons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que mon Dieu, pour la gloire de Dieu.